c'est un très beau pays. Le peuple est chaleureux, accueillant. Et même pour en dehors de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, je suis arrivé vendredi et le bureau de M. Tonsant et la section polynésienne a fait un travail remarquable à bien nous accueillir, à nous conseiller quoi faire, de belles activités. Et j'ai eu la chance d'aller à Moréa et j'ai eu la chance d'aller à la Presqu'île. On a vu la vague où est-ce que les Jeux olympiques en 2024 auront lieu. Donc, et j'espère que ça fera découvrir... on entend souvent parler de la Polynésie française, spécifiquement Bora Bora. Mais maintenant, j'ai découvert d'autres îles. Comme je dis, mon seul regret, c'est que je ne peux pas rester assez longtemps, mais je vais revenir. Nous sommes arrivés déjà depuis une semaine. Et cela faisait des années que la section polynésienne nous attendait. Mais la pandémie a fait en sorte qu'on a dû retarder quelques années avant de se retrouver ici. Comme vous le savez, la section polynésienne s'est jointe à l'APF il y a 2 ans ou 3 ans déjà. Et elles sont déjà très actives au sein du réseau des femmes parlementaires, mais par visioconférence. Et maintenant, nous sommes ensemble et nous sommes très heureuses de pouvoir débattre et échanger sur différents enjeux qui touchent les femmes de l'espace francophone. Il y a du leadership qu'on peut apprendre de d'autres sections. Je sais qu'au Rwanda, il y a quand même une grande présence féminine dans des parlements. Il y en a d'autres pas autant. Même au Canada, on a à peu près un tiers, juste au-delà d'un tiers de femmes représentatives. Même si le cabinet des ministres est représentatif, il y a une parité. Je pense qu'il faut amener les femmes, et pas non seulement les femmes, mais aussi les jeunes au sein des parlements. Oui, on a différents enjeux. D'abord, les continents sont tellement différents. Les femmes parlementaires doivent conjuguer avec des enjeux qui touchent leurs commettantes, très différents les unes des autres. Mais nous avons aussi des enjeux en commun. Entre autres, nous aurons demain un atelier sur une politique cadre que nous avons préparée pour contrer le harcèlement dans les parlements. L'Union interparlementaire a fait des études, des analyses, et malheureusement, une très forte proportion des élus ES parlementaires doivent conjuguer avec des environnements qui, quelquefois, les empêchent de pouvoir bien faire leur travail. Et il y a aussi la lutte au changement climatique qui est un sujet très cher aux Polynésiennes. Nous allons certainement ensemble préparer des actions que nous allons mener à la COP27 en Égypte prochainement, et des séminaires aussi que nous offrons dans différents pays d'Afrique et ailleurs en Asie, au Cambodge prochainement en septembre. Et voilà des leçons que le reste du monde peut apprendre de la Polynésie. Vos programmes de conservation sont extrêmement excellents. On le voit, il y a de la vie. Je visite d'autres pays et malheureusement, les écosystèmes sont détruits. Ici, vous avez fait du travail remarquable à protéger les écosystèmes. Et quand on parle de jeunes parlementaires, on parle aussi de la succession. Et quand on emprunte, on est tous citoyens temporaires de la Terre et on doit laisser la Terre comme on l'a pris. Et je pense que la Polynésie française a des leçons à donner et des bonnes pratiques à donner au reste du monde entier. Nous échangeons énormément sur les lois que nous adoptons chacune dans nos parlements. Et pour ne pas refaire le travail, nous partageons le fruit de ces lois que nous avons adoptées. Et certainement, elles inspirent d'autres parlementaires, d'autres pays de l'espace francophone pour mener des actions. S'engager en politique, il y a une responsabilité qui vient avec cela et on veut donner des résultats pour que nos concitoyens aient une meilleure vie, finalement. Ça donne beaucoup aussi de force intérieure pour pouvoir aller de l'avant et faire en sorte que nos projets soient réalisés comme on l'a souhaité lors de notre élection. Vous savez, nous sommes toutes des parlementaires. Nous sommes mus par le même objectif et de voir que des gens de tous les États de l'espace francophone vivent les mêmes ambitions, ça fait en sorte que les femmes se sentent encore plus fortes. Elles sont plus nombreuses. Et ici, on nous a dit à la blague que ce sont les hommes qui aspirent à la parité. Alors ça, c'est merveilleux et
ça nous donne beaucoup d'espoir pour la suite des choses. Je pense qu'on a matière à faire des échanges entre parlementaires et même une petite île qui est quand même un grand territoire, hein, on le rappelle, 118 îles qui représentent un territoire aussi grand que l'Europe. On a tout intérêt à bâtir des ponts entre les pays francophones et il n'y a pas seulement le partage de la langue, mais le partage des affaires, le partage entre parlementaires, des bonnes pratiques. Certains pays ont plus de moyens que d'autres et c'est pas d'aller faire de la morale aux autres pays, mais c'est juste de partager des bonnes choses à faire. Et pour moi-même, comme député canadien, je suis certain que je peux apprendre des choses de la Polynésie.